Hey, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Esmé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de ce Let's Play consacré à Civilization 5 en compagnie des Perses. Alors on va de suite continuer ce qu'on a laissé de côté la dernière fois. Donc on est en guerre contre le Danemark et à peu près toute la carte est en guerre contre le Danemark. Et il commence un peu à plier et ça c'est une très bonne chose. Alors on va continuer notre guerre d'attrition ici, hein. On va les laisser venir, on va laisser faire nos bombardiers et on s'occupera des villes. Qu'on avait cité au dernier épisode, hein, comme on avait dit, donc Anvers, Oslo, Mogadiscio, Zurich, c'est quasiment tous des cités-états, donc on va les libérer, ça nous fera des bonus, et c'est très très bien comme ça. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de fixer un peu notre économie, parce que bah, c'est pas top, et pour ce faire, on va mettre en file d'attente ici, avant les navires marchands, une cour de satrape, qui est en fait une banque. Et il me manque un bombardier parce que j'ai encore un d'essence et on le fera un peu plus tard. Et normalement c'est à peu près tout ce que j'avais prévu. Donc voilà, on va continuer comme ça. Allez, c'est parti. Normalement tout se passe bien. Hein. Vis-à-vis de la guerre contre le Danemark. Ouais voilà. Donc tout se faire ouvrir là, ça va être sympathique. Et juste une chose, oui, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est un sous-marin. Alors je vais pas l'acheter, je pourrais techniquement, mais je vais pas le faire parce que je vais avoir besoin de mon argent pour améliorer mes artilleries. On peut voir qu'on s'est encore fait piller une route commerciale. Hein. C'est ça et la libella, bah, comme quoi c'était pas si safe que ça. On verra pour la promotion après, il y a quoi? Il y a juste un navire qui peut l'attaquer. Les données accidentées, on va le soigner. Alors avec notre bombardement, on peut attaquer lui, ça c'est fait, ça fait une unité de moins. Toi tu peux dormir ici. Le bombardier, on verra ce qu'on en fait après. Par contre, on va pas laisser nos deux Gatlingen ici, c'est un peu bête. C'est de s'en servir. Mettre celle-là dans la ville pour la défendre. Et c'est à peu près tout. Alors comment on va faire ça? Faudrait pas trop se merder. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse fi des artilleries. Donc il y a un bombardier qui va aller attraper cette artillerie là-bas. Voilà, ça c'est fait. Et on a deux navires ici à couler. Alors lui il a plus trop de vie, on va le réparer. Il faudrait tuer cette infanterie là. Pour pouvoir protéger l'artillerie. Combien j'ai fait de dégâts là, je le tue normalement. Ouais, voilà, parfait. On va reculer sur la citadelle. Et maintenant on peut utiliser nos bombardiers. Pour faire fi des navires. On va couler la frégate ici. On a les artilleries pour ça. Il faut les faire tirer avant. Qu'elles prennent un maximum d'expérience. Lui il a fini. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il n'y a plus grand chose à faire de toute manière. On peut le mettre dans une ville. Il y a déjà un bateau dedans. On va le mettre là-bas. Voilà. Ils peuvent rester là. Ça fait des cibles pour les navires qui viennent. Et il me reste ses artilleries. Alors, on va couler la frégate. Toi, tu peux tirer aussi. Et les navires corps à corps, là, à descendre. Hop. Alors, on va les laisser soigner. Hop, on va couler ça. Ah, dès qu'on va avoir nos bombardiers avec logistique, ça va être quelque chose. Et toi, oui, on avait dit qu'on te laissait réparer. Donc, lui, c'est pas trop un problème. De toute façon, il est tout seul, il peut pas faire grand-chose. Je crois que c'est à peu près tout pour notre tour. Ça c'est bon. Pas de problème. Ici aussi on en est où au niveau de nos cités-états? 108, 96, pas besoin de leur donner d'argent, c'est parfait. Encore ça marquant des Kaokia. Qu'est-ce qui se passe sur ce côté-là? Ils ont repris Constantinople. Zanzibar. Ah oui, c'est en train de céder là, on peut le voir. C'est une très bonne chose. Allez, bah, tour suivant du coup. Donc les tours vont être un petit peu plus longs hein, maintenant, forcément, vu que j'ai pas mal d'unités à gérer. Refuser. Alors, qu'est-ce que c'est des pillages? Oh, ils m'ont pillé une ferme, ça c'est ballot. Promotion d'unité. Ah, le canon anti-aérien, ça c'est très bien. Hop, cover 1, on va le ramener là-haut tout de suite. Ça fera un support en plus avec mes... Hop, comment on appelle ça déjà avec mes chasseurs. Et là, je vois une artillerie. Elle a été promue. On va prendre précision 3. Alors, il y a une artillerie ici. Lui, on va pas le bouger. Toi, tu peux attaquer la cavalerie.
Est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un? Sur un ouvrier? Ça fait de l'expérience. On va juste le décaler lui. Essayer de mettre la machine gun ici. On a récupéré un cavalier. Alors les cavaliers je les garde de côté tout simplement parce qu'ils vont me permettre de prendre les villes de très très loin. Et ça c'est pratique. Donc on a cet artillerie là qui est en train de se soigner. On va utiliser notre frégate. Pour l'instant elle craint pas grand chose. On peut bombarder la cavalerie ici, ça lui fera toujours un peu d'expérience. Et il nous reste nos artilleries. Alors, est-ce qu'on peut bouger ici? Je pense pas qu'elle est... ouais, voilà que ça là, en visée. On va les faire avancer, il est temps de bouger un peu. Donc pas là, hein, évidemment, pas à portée de bombardement. Elle peut même tirer aussi. Bon ben, hop, l'ouvrier, tant pis pour toi. Et toi, ça m'étonnerait que t'aies quelqu'un à portée. Non! On va rester là pour ce tour-ci, on va commencer à se débloquer. C'est un peu un goulot ici, mais c'est problématique pour nous, parce que c'est un peu embêtant pour avancer, mais c'est aussi problématique pour eux pour attaquer, je peux vous le dire. Et donc du coup, tu vas rester là, c'est parfait. Par contre, nos bombardiers, alors... Faut faire fi des artilleries. Boum. Il y en a encore une ici, je vois ça. Boum. Normalement on a un bombardier qui était en train de se réparer, il en est où? Il a réparation aérienne? Non, pas encore. Est-ce qu'on ose l'utiliser? Je pense que c'est safe. Ouais voilà, c'est largement safe. Toi tu vas te soigner, toi tu restes ici. Et en ce qui te concerne... On va bombarder lui, hein, pourquoi pas. Je suis à moins 5 d'or, ça je sais, mais je suis en train de refaire des bateaux là-bas. On va même en rajouter un, du coup en file d'attente, ça ira très vite, c'est 4 tours. On a de quoi voir venir, hein, 3 tours même. Ici on est en train de faire le laboratoire de recherche, hein, on continue en science, hein, c'est pas parce qu'on est devant qu'il faut laisser tomber. C'est notre solution de secours un peu comme on dit. Hein. Et je suis en train de réfléchir parce qu'il va me manquer un bombardier, ça c'est évident. Donc je pense qu'on va le faire ici. Et ici, on va faire un sous-marin. Ça va nous être très utile, au moins pour nous donner la vision sur les cités côtières qu'il y a là. Hein. Sur Viborg, sur Copenhague, Roskilde, si je le dis correctement. On fournit plus de cuivre. Ok, alors on doit pouvoir le revendre. Ah, on peut avoir du crabe. Comme ça, on s'en fiche, c'est le bonheur, c'est pas un problème, je préfère récupérer de l'argent. Ah, pour 7 d'or par tour, il veut pas, c'est pas un problème, je vais pas le vendre à toi du coup. Il y en a d'autres qui doivent vouloir l'acheter. Non. Non. Ah c'est vrai que je vends du cuivre à peu près tout et n'importe qui. Donc je vais devoir le vendre au prix qu'il demande. Donc je pense qu'il va nous donner pour 6 d'or. Ouais voilà. On n'a pas la même idéologie. Hein. Ah voilà, c'est ça. Hein. Allez, tour suivant. Donc ouais, comme j'ai dit, hein, les tours ils vont être un peu plus longs. C'est ma foi logique. Il y a toujours le navire ici. Elle n'a pas plus de portée, elle, c'est dommage. Hop, viens ici. Alors, notre canon anti-aérien. On va le mettre là, en attendant. Et on va bouger nos artilleries au tour suivant. Alors, le bombardier, est-ce qu'on peut le couler, lui? Non, c'est dommage. Donc, autant s'occuper de l'artillerie qui est ici. Voilà. On a un navire marchand dispo, je vais le déplacer à Susa. Parce que c'est pas safe du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut tuer ça, c'est évident. Bon, je vais laisser l'espace libre, c'est ce qui est un peu problématique, mais bon, tant pis. Allez, boum. Ah, mais je le tue même pas, tant mieux. Voilà. On va utiliser un bombardier pour l'artillerie là-haut. Et on a récupéré... pardon, réparation aérienne. C'est très bien parce que ça permet d'utiliser les bombardiers à chaque tour. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, ça leur permet de réparer même si vous les avez utilisés. Alors je vois pas d'autres artilleries en point de mire. Par contre je vois des unités. Il est temps que j'avance avec lui. On va lui donner sa promotion. Ça va être accidenté. Hein. Il y a plein de jungles et de forêts dans le coin. Pouvoir avancer notre artillerie et commencer à attaquer la ville ici. Hein. C'est clairement le but. Les canons ne tirent à rien. Pour
Pour l'instant, on n'a pas besoin de le déplacer. Je pense pas que j'ai quoi que ce soit à porter. Ainsi, pour mon navire, j'ai un ouvrier. Voilà, c'est le futur de l'expérience. Ceci dit, nos bombardiers. On va prendre celui qui a le plus de vie déjà. Se faire la cavalerie là. Boum. Dès qu'on aura pris cette ville là, ça va être beaucoup plus simple pour avancer nos artilleries. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Je sais qu'on peut tirer avec toi. De toute façon, on a les deux villes à prendre là. J'ai pas envie d'être à portée de bombardement. Avancer ma cavalerie dans le coin. Cette artillerie, on va la rapprocher par là. Reste en état d'alerte. Harald premier qu'on peut contre Théodora. Je pense qu'elle va être heureuse de la prendre. Elle a déjà plus de capitale, mais bon. Farsagad crie famine. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, mes citoyens, là? Pourquoi ils crient famine, hein? Je suis à moins 1. On va enlever un peu de production, évidemment. Mais alors, quelle taille on va enlever? Ça va être celui-ci. Et on va le mettre là. J'ai pas envie qu'elle starve, là. Qu'on perde un citoyen pour rien, ce serait bête. Voilà, voilà. Et... on fournit plus de cuivre à Théodora. Ah oui, bah ça, on va lui revendre. Elle, c'est pareil, ça m'étonnerait qu'elle nous donne 7 d'or. Melima. Ouais, voilà, c'est pas la même idéologie, encore une fois. Bah, c'est très bien comme ça. 6 d'or par tour. On perd pas d'argent, mais on en gagne pas non plus, alors. Ah. Il a dû faire... ouais, il a fait la paix avec Casimir. On va surveiller ça dans 10 tours. Almaty. C'est où ça, Almaty? On va juste regarder où c'est. Almaty. Zanzibar. Ça doit être une cité-état qu'il y a dans le coin, là. Stenberg, Laventa, Hormus... cité-état sur les villes, là? Ouais, ok. Ouais, on a rien à craindre de la cité-état, là, du coup. On a une promotion sur un bombardier. Et sur une artillerie, déjà, donc c'est précision 3. Ah, j'ai dû me... ah, ok. C'est la cavalerie qui est ici. On a gagné une case, c'est une case d'océan. Session à venir. Romus réclame de la foi. Ah, tiens, on a perdu des alliés, ici. 5. On va leur faire un don. Voilà, merci beaucoup. C'est dommage, j'aurai besoin de cet argent. Un ennemi est proche. Oui, lui, il est toujours là. Promotion d'unité, mon bombardier. Et ça va être bombardement 3. Et choisir une construction. C'est vrai qu'on a eu une artillerie ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette ville? Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de production ici. Une usine, 26 tours, waouh. Mais bon, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. On pourrait techniquement faire un sous-marin, mais ça va me prendre 20 ans, 24 tours, donc autant faire une usine. Et nos bombardiers, alors, comment on va se débrouiller ici? Ah, sérieusement, il va falloir qu'on avance, il va falloir que je me mette à portée de bombardement avec au moins un gars, là. Ah, que j'ai pas trop à craindre d'une cité à 16, là, mais... alors, bombardier. On va se faire la cavalerie ici. Qui a le plus de vie? On peut la finir avec cette artillerie là. Ça va nous permettre d'avancer ce soldat. On va lui faire piller la case. En ce qui te concerne, est-ce que tu peux aider là-dessus? Et bien sûr que tu peux aider. Et on va le finir avec l'artillerie, techniquement. Parfait. Et ce bombardier là, on va l'utiliser pour bombarder la ville. Alors, il va prendre un peu de dégâts, hein, c'est normal, c'est une ville. Et en ce qui te concerne, non mais toi, t'en fiches de toi. On va avancer une artillerie. Et on va en avancer une deuxième. On va amener notre général là-haut. Ah, j'ai vu qu'il y avait une artillerie là-haut, il faut vraiment que je la fasse tomber par contre celle-là. Boum. Il n'y en a pas d'autres dans le coin, donc ça va. Faire commencer à tirer sur la ville. On va tirer sur l'infanterie ici. Toi, tu vas piller cette case.
Et te mettre en protection. Ouais, c'est vrai qu'on a encore une artillerie là. On a partout des artilleries, c'est génial. Là, je prendrais bien plus un de portée, c'est clair. Il va falloir attendre les promotions. Toi, tu restes en défense. Il me reste un bombardier. Alors, je préfère le faire bombarder là. L'infanterie tout simplement parce qu'il va être à portée de bombardement, le soldat ici, de la ville d'Oslo. Et toi tu peux rester là, pas de soucis. Toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trade route de safe? Alors, on va être plus grande quantité d'or. Abyss Abeba, c'est absolument pas safe. Nika non plus. Antioch non plus. On va envoyer Helsinki. Déplacer les unités empilées. Ah oui. Hop. Plus zéro. Bah voilà, je l'avais dit. Tour suivant. Ah ouais, ils ont quand même réussi à le tuer, quoi. Ah ça, j'aurais pas cru. Ah, ils ont tout mis dessus, quoi. C'est... Bon, on va rester comme ça, hein. On a deux artilleries qui peuvent tirer sur la ville, ça suffit largement. On va couvrir ça avec nos... avec nos bombardiers. Cette artillerie là qui peut tirer ici. Cette artillerie là qui peut tirer ici. Et ces deux artilleries qui vont tirer sur la ville. Il est temps de commencer à faire le trou. Toi aussi tu peux tirer. Je vais pouvoir la tuer avec un seul bombardier, celle-là. Oui, magnifique. Voilà, comme ça on peut tuer lui. On va le finir avec un chasseur. Voilà. Super. Toi, on va te faire de l'expérience en tirant sur la ville. Et là, nous reste un bombardier. À part un ouvrier, il n'y a pas grand chose à faire. Donc autant attaquer la ville là. Le canon anti-aérien. Alors déjà combien de temps il me faudrait pour arriver là? Il me faudra un tour pour me mettre ici, prendre les dégâts. On pourra faire avancer le canon anti-aérien en même temps, donc c'est bien. Déclaration d'amitié avec la Suède, oui, ça on va renouveler. Voilà. Promotion d'unité, ben, cover tout, hein, ouais. Et tu continues à te soigner. Je pense même qu'on peut te faire tirer. Quitte à prendre un coup de bombardement. Hop, ça lui fait un peu d'expérience, on la soignera au tour suivant. Et toi, il n'y a plus grand chose à faire, donc viens ici, fais le dos. Il me reste ce bombardier. Attaquer la ville, évidemment. On doit pouvoir la prendre d'ici un ou deux tours. Toi, tu restes là, bien sûr. L'artillerie, en attendant, on va la laisser ici. Pareil en ce qui te concerne. Démographie. C'est toujours les premiers en soldats. Forcément. Bah, la frégate va prendre quelques dégâts, là, mais rien de dramatique. Oh, il m'emmerde avec sa cavalerie, là. Heureusement que j'ai les artilleries d'avance, mais bon. C'est un peu pénible. Oh, c'est pas bien grave en soi. Hop, boum. Ah ouais, on a laissé la place ici, là. Donc toi, t'as pris des dégâts, c'est normal, c'était voulu. On peut l'améliorer, d'ailleurs, en électronique. Non, pas encore. Non. Alors, notre fighter, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ouais, j'essaye de protéger mes artilleries ici, là. Donc normalement, c'est bon. Vu que c'est des cases de forêt, ils peuvent pas faire de déplacement. On va devoir pouvoir couvrir ça avec nos bombardiers. Non, peut-être pas toi. Ouais, ils prennent des claques, hein, c'est évident. Commencer par lui. Voilà, rien de moins. Le fighter
On va le remettre en intercepté. Mais toi, on te laisse là, on n'a pas besoin de toi. Ouais, techniquement monter une Gatling Gun là-haut, hein, mais bon. Oui, c'est ce qu'on va faire. Et il me reste le bombardier ici. Il continue d'attaquer la ville, ça fait de l'expérience. On va monter notre artillerie peut-être du coup. Ah du coup on a perdu notre général, ça c'est moins cool par contre. Bah, je suis obligé, faut que je perce au moins. Une fois qu'on aura pris Anvers, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, voilà, on commence à ramener toute la famille. Alors toutes les artilleries, faut que je les fasse sauter. Ça, il faut aller vite sur Anvers, ça serait cool. Alors, ce bombardier. On peut attaquer cette artillerie là-bas. Ce bombardier. On peut attaquer cette artillerie là-bas et ça va pas suffire. Malheureusement. Elle a quoi? Beaucoup de cover, je pense. Alors. Je regarde juste qu'elles ont comme promotion. C'est étonnant, ouais, la cover 1. Allez hop. Ah ça fera bombardement 3 aussi. Boum. Il est en train de claquer tous ses ronds hein, pour ça, hein, faut juste le savoir. Hop. Précision 3. Pour l'instant on est tranquille avec nos artilleries là. Hein. Il peut pas faire deux cases pour nous attaquer, il n'y a que des artilleries qui pourront tirer dessus. Je suis pas sûr qu'elles tirent, elles vont plutôt essayer de tirer sur l'unité au corps à corps en haut. Alors je vais débarquer, c'est un peu risqué. Non, on va pas faire ça comme ça. Mettre là-haut. On a encore une artillerie. Deux disponibles. Lui, il sert à rien. On va le décaler. Mais elle non plus, elle peut tirer sur personne. Hein. Plus un de population, waouh, sans déconner. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, on va laisser ça comme ça, de toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Juste peut-être bloc. On va favoriser la production, que ça aille un peu plus vite. On va pas te mettre là, ah, si j'en ai besoin. Sinon, il va y avoir famine. Ah, par contre, il faut que je lock le landmark, là. Oui. Ah zut. Ah c'est parce que je peux pas bosser ce tile là. Pourquoi? Ah oui parce que ça marque en hangar contre nous. Bon c'est un peu problématique. Donc en attendant on fera ça comme ça. Allez tour suivant. Oh là là mais quoi il me l'a tué. Artillerie mais il en a combien? Je sais pas combien de temps il manque là pour déclarer la guerre. Alors, ça m'embête, je vais devoir peace out là pour faire la paix avec lui. C'est dommage. Hein. Parce que là il a beaucoup trop et on n'a pas assez. Ouais il la fera la paix, hein. c'est pas un problème, mais il a beaucoup trop là je pense. Pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Surtout on a du mal à se placer là dans ce petit endroit. Bon, on va faire de l'expérience déjà. On pourrait techniquement tenir un tour de plus, et encore je suis pas sûr. Combien j'ai fait de dégâts avec l'artillerie là? Non, il faudrait qu'on avance là. Il y a de grandes chances pour qu'elle meure. Elle a été bombardée par je sais pas quoi. J'aimerais bien au moins prendre Anvers, faire la paix là-dessus. Ce serait une très très bonne chose, mais bon. Alors ce qui est sûr, c'est que si je me mets ici, je pourrais la prendre en un tour. On va essayer. On va voir. Tant pis si je perds une unité. De toute façon, on a parti gagner plus ou moins. Bombarder la ville. Faire un maximum de dégâts. Peut-être essayer de tuer elle quand même.
Il me reste un bombardier. Boum. Et on l'a utilisé. Et on l'a pas utilisé. Boum. On va essayer de la prendre au prochain tour. On verra bien. On va te mettre là. Et du coup, ça nous permet de rapprocher le canon anti-aérien, ce qui est pas si mal. Mais j'ai vu qu'on avait une unité dans notre dos là. Je sais pas d'où il sort lui, mais en tout cas il l'a fait. Bravo à lui. Voilà. Du coup, on pourra utiliser nos artilleries. Non, pas toi. On a largement de quoi faire encore. Hein. J'essaie de perdre le minimum d'unités. Et surtout de continuer à faire les choses correctement. J'aimerais bien au moins prendre cette ville. De toute façon... Patienter un tour, ben, ce serait parfait. De toute façon, on peut pas faire la paix. Voilà. Oui, je laisse là. Toi, tu te soignes. Tour suivant. Si on peut pas, on recule, hein, tout simplement. Alors, techniquement, on peut, mais il va la reprendre. Je vais regarder s'il ferait la paix, là. Ouais, il accepterait. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre Anvers, et on va signer la paix. Ça nous fera une belle tête de pont, et beaucoup plus de territoire pour pouvoir développer nos artilleries, et une défense correcte que ce goulot ici, qui nous aura bien servi quand même. Et dans 10 tours, on lui redéclare la guerre pour essayer de l'assassiner. Et surtout, on pourra redemander aux Polonais de participer avec nous. Hein. D'ailleurs, ils ne le feront pas là, parce qu'ils doivent attendre 10 tours. Ouais, voilà. Ça, c'est une très bonne idée. On va faire ça comme ça. Et alors, on va même pouvoir utiliser notre frégate. Voilà. Ça aura fait beaucoup d'expérience sur nos artilleries. Et sur nos bombardiers surtout. Ouais voilà, on peut prendre la ville là. Prendre la ville. Je sais pas si je vais la prendre du coup, bien qu'on n'ait pas de fourrure, parce que c'est une cité-état. Voilà, c'est un ordre. Hop. Ça on va le rendre, on n'en a pas besoin. Rendre l'unité. Et on va en faire une ville fantoche. Moi qui voulais la libérer, elle va nous être très 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 utile. On aura toujours le choix. Je sais même pas si on a le choix de la libérer plus tard. Non, on peut juste l'annexer. On va la garder, la ville, elle est très bien. Il y a de l'aluminium qui va nous être utile. Il y a des fourrures qu'on n'avait pas, il me semble. Ouais, qu'on n'avait pas exactement. Et du pétrole, surtout, pour pouvoir faire des avions supplémentaires. Et on va faire la paix là-dessus. Et ça va nous donner un beau territoire, un bel angle là, pour pouvoir attaquer Oslo et surtout la défendre. Non, c'est vraiment une très très bonne chose. Par contre, avant de faire la paix, on va prendre de l'expérience sur nos unités. Et on va pas se gêner. Là, le problème, c'est qu'il a la première armée. Et les Polonais ont fait la paix avec eux. Donc, c'est ça nous arrange pas du tout. Du coup, on est un peu tout seul à gérer contre eux. Peut-être attaquer lui, plutôt, comme ça, en essayant de le tuer. Hop. On aurait eu plein d'expérience, c'est bien. Le canon anti-aérien, on va le ramener là-bas, évidemment. Il continue la ferme. On va pouvoir te ramener. C'est pas pareil. On l'a utilisé, le bombardier ici? Oui, on l'a utilisé, donc c'est parfait. Et on va nommer les délégués. Alors, financement artistique abrogé. Alors ça, les deux m'intéressent pas plus que ça, mais si ça passe, tant mieux, parce que je suis en avance en termes de science. Donc ils y auront plus de problèmes à récupérer en science par rapport à nous. Et on va voter contre ça. C'est très bien l'embargo. On nous a volé radio. Pourtant j'ai un espion. Feignant. Je l'ai même pas vu, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. Famine, ça c'est normal, hein. On fournit plus de chevaux. Accord de recherche avec Casimir. Ah. Celui-là par contre on va le refaire. Waouh, 600 PO. On va pas le refaire, ils sont à combien? 58. On a 60, 57, 52. Alors c'est normal qu'ils nous rattrapent un peu, parce qu'on a fait le choix d'aller sur une technologie qui est très très loin, qui nous a pris 27 tours. Et il nous reste toutes ces technologies là à chercher qu'il a sans doute déjà. Mais bon, c'était voulu. Qu'est-ce qu'il voudrait pour un accord de recherche? Bon, on verra ça au prochain épisode, je vais pas faire ça maintenant.
peux rester là. Toi aussi. Il achète encore les chevaux? Visiblement non. Move dalle. Mais je rêve pas en... On avait bien des chevaux à lui vendre. Mais bon, c'est pas grave. Et ça me paraît très bien. Donc voilà, la suite du plan, c'est d'attendre 10 jours là que le traité de paix se termine, de ramener notre armée ici, d'avoir un peu plus de place, parce que c'était vraiment problématique hein, de se déplacer sur ce petit goulot-là. Enfin, il nous a bien servi, et surtout la citadelle. Et les 10 tours passés, on demandera aux Polonais de leur redéclarer la guerre, qu'on fait une belle progression ici d'ailleurs. Hein. On peut le voir. C'est dommage qu'ils soient pas allés jusqu'à ces deux villes-là, mais visiblement ils les ont flippés. Parce que des cités à 5 et 3 de population autour en 396 de la part des IA, ça n'existe pas. Et ils ont repris Constantinople, donc voilà. Pas de problème là-dessus. Allez, on fait la paix avec lui. Une paix blanche, c'est très bien comme ça. Et on verra la suite au prochain épisode, puisque ça a duré suffisamment longtemps maintenant. Donc voilà, merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner, ou à laisser vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.